Bonjour, chers participantes et chers participants. Bienvenue à ce cours sur la gouvernance minière et le développement durable. Aujourd'hui, nous introduisons notre cours. Nous voulons juste vous présenter le contenu de ce cours que nous allons avoir durant 4 semaines. Ce cours a été initié dans un contexte où l'exploitation minière est de plus en plus croissante dans les pays africains, avec des ressources minières qui sont valorisées d'une manière ou d'une autre, mais avec aussi des inquiétudes sur la disponibilité de ces ressources minières à long terme, ainsi que sur la redistribution donc, des bénéfices issus de l'exploitation minière. Ce cours sur la gouvernance minière et le développement durable vient donc à point nommé pour apporter des éléments de réflexion, des éléments de planification, des éléments de mise en œuvre du développement durable au niveau du secteur minier. Et nous allons donc voir un peu les objectifs spécifiques liés à ce cours. Le cours va chercher à vous faire comprendre les principes, vous présenter les principes fondamentaux du développement durable à travers donc, les objectifs du développement durable que nous allons voir tels qu'établis par les Nations Unies. Et à l'issue donc, de ce cours, de ces 4 semaines de cours, vous devez être à mesure d'expliquer ce que nous entendons par gouvernance minière, mais surtout ce que nous entendons par développement durable, d'expliquer les différentes orientations, les différents objectifs du développement durable et surtout de prendre les actions pour mettre en œuvre les objectifs du développement durable dans le secteur minier, puisque nous allons parler de plusieurs outils, de mécanismes dans ce sens. Et vous devez être à mesure, donc, à travers ces différents éléments, à initier les actions nécessaires pour que le développement durable soit une réalité, donc à travers l'exploitation minière. Et pour pouvoir atteindre ces différents objectifs, nous allons présenter 8 modules durant ce cours. Le premier module qui porte sur la gouvernance minière et le développement durable, c'est une introduction qui va expliquer ces différents concepts et poser les bases fondamentales pour notre cours. Le deuxième module va traiter de la problématique environnementale. Donc, il va présenter les enjeux de la durabilité dans l'exploitation minière ou dans les projets miniers, que ce soit les enjeux sociaux, les économiques, les enjeux environnementaux, les enjeux de la gouvernance, etc. Ce module va les élucider pour nous, pour que nous puissions les prendre en compte donc, dans la gestion donc, des projets miniers. Le troisième module va présenter les référentiels au niveau international, au niveau régional, qui encadrent la gouvernance du secteur minier ou qui encadrent le développement durable. Nous verrons un certain nombre de référentiels établis par les différentes institutions internationales qui interviennent donc, dans le secteur minier ou qui font la promotion du développement durable. Le quatrième module donc, traite de la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans le secteur minier en prenant chaque ODD tel qu'élaboré par les Nations Unies et en présentant donc, les actions, des exemples d'actions qui peuvent être entreprises pour pouvoir intégrer ou mettre en œuvre ces ODD au niveau du secteur minier. Que ce soit lors de la planification et évaluation, nous devons tenir compte des ODD et nous verrons à travers ce module donc, des exemples d'actions que nous pourrons enrichir davantage pour pouvoir le faire. Alors, le module 5 va traiter, donc présenter le cadre politique et institutionnel de la gouvernance minière et du développement durable. Il présentera le cadre politique au niveau international, c'est-à-dire rappeler les référentiels, les instruments que nous avons évoqués au module précédent. C'est un référentiel essentiel et s'appuyer sur ces référentiels pour présenter le cadre politique au niveau du Burkina Faso, parce que le pays a mis en place plusieurs politiques sectorielles qui ont un impact sur la gouvernance minière. Nous allons voir un peu ces différentes politiques sectorielles, les interactions entre ces politiques ou leur intervention
leur importance pour le secteur minier. Le module 6 va traiter du cadre juridique, donc, de la gouvernance minière et du développement durable. Nous verrons le lien entre les textes légaux, les textes réglementaires en place au niveau du Burkina Faso, le lien entre ces différents textes et les objectifs de développement durable. Quels sont les textes qui permettent d'atteindre les différents objectifs, tout comme pour le cadre politique, nous l'avons fait. Au niveau donc du module 7, nous allons spécialement parler des droits de l'homme dans le secteur minier. C'est un des points essentiels du développement durable, une des préoccupations internationales aujourd'hui. Et il convient que dans l'exploitation minière, les exigences internationales ou nationales, si elles sont établies en matière de droits de l'homme, soient respectées. Donc, nous allons voir quelles sont ces exigences au niveau international. Et en nous appuyant sur le cas du Burkina, nous verrons s'il y a des exigences qui ont été établies en matière de droits de l'homme. Ou s'il y en a qu'il faut établir. Cela pourrait inspirer aussi d'autres pays pour l'amélioration donc, de leur cadre juridique en la matière. Et dans le dernier module, qui est le module 8, nous parlerons donc des mécanismes et des outils qui sont nécessaires pour mettre en œuvre le développement durable dans le secteur minier, pour véritablement rendre opérationnels les objectifs de développement durable dans ce secteur, et les suivre et les évaluer. Donc, nous parlerons des indicateurs de développement durable, nous parlerons du plan de gestion environnementale et sociale, nous parlerons d'un certain nombre de normes, comme des normes ISO à la matière, nous parlerons donc de la norme ITIE, etc. Comment est-ce que ces différents instruments, les mécanismes peuvent être appliqués pour que nous ayons véritablement du développement durable dans le secteur minier. Alors, c'est pour atteindre ces objectifs et pour présenter tous ces modules, se fait sur support audiovisuel. Comme vous le savez, vous avez les audios à écouter avec le visuel à suivre, mais vous avez également des notes à prendre lors de l'écoute pour pouvoir préparer vos questions. Vous avez des supports, donc en documents, PDF, que vous allez exploiter, qui sont bien plus beaucoup élaborés, qui donnent plus d'explications sur les contenus présentés, et il faut les lire pour comprendre davantage, et vous pouvez faire des recherches complémentaires, et à travers ces différents éléments, vous aurez une bonne compréhension. Il y a une évaluation à la fin de chaque module, c'est un ensemble de questions présentées, donc des questions à choix multiples auxquelles vous devez répondre, et vous avez été informé que ce cours donne lieu à un certificat délivré donc par l'IDEP. Et ceux qui vont suivre le cours jusqu'au bout et qui vont répondre à ces questions auront droit à ce certificat. Ces questions permettent aussi de voir réellement le niveau de progression donc des participants, et elles sont faites de telle sorte que ce soit un rappel aussi, un résumé du cours pour vous, d'où l'intérêt de les traiter, parce que ça vous permet de repartir avec des éléments bien fixés dans l'esprit sur la thématique qui a été abordé. Le cours va se dérouler sur 4 semaines et nous aurons 2 modules par semaine selon la planification que vous avez en ligne. Donc, nous vous invitons à vous connecter selon le timing, le programme qui est établi, et à suivre véritablement le cours, attacher un intérêt, parce que c'est une thématique très importante et nous sommes ouverts aussi à vos questions, disposés à répondre à toutes vos questions. Merci de votre participation. Merci de votre assiduité à ce cours, en espérant donc que nous aurons un bon retour, des résultats palpables à l'issue de ce cours. À très bientôt.